Survivant d'un crash sur une planète aux confins de la galaxie explorée par la race humaine, Zewibi Gakoun et Wizap TV créent le campement Oura en vue de survivre sur ces terres inconnues. Ils sont rapidement rejoints par une jeune vagabonde dont vous allez découvrir le nom et capturent un blessé écrasé peu après eux. Leur prisonnier les rejoindra-t-il? Les pirates ayant élu domicile sur ce monde reculé, les laisseront-ils tranquilles encore longtemps? Vous le découvrirez en voyant cet épisode. Allô, bonjour tout le monde, nous voilà de retour sur l'épisode 3 de RimWorld avec Yoda 5477. Donc nous avons souhaité la bienvenue à Axel qui m'a fait des commentaires sympas. Donc vous étiez deux, il y avait Axel et Simon, j'ai pris Axel comme ça. Simon n'hésite pas à nous donner d'autres bons conseils. Il y a Cambo qui risque de nous rejoindre pendant cet épisode. Donc voilà, bienvenue parmi nous, même si t'as pas encore de vêtements. Ouais, t'as juste une armure et tu es tout nu. C'est pas très grave. On va dire que c'est pas très grave, hein. Donc, objectif de la journée, ça va être de créer nos défenses. À savoir que pour l'instant, on ne peut pas, parce que la seule chose qu'on puisse faire en défense, c'est des sacs de sable. Et qu'il va nous falloir du sable d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense. Donc on va se préparer du sable, je crois que ça va être ici. Voilà, on va dire fait du sable, jusqu'à ce qu'il y en a, on va en garder, je dirais bien 30. Voilà, 30 ce sera bien. Voilà, fait du sable à partir de n'importe quoi. Voilà, Axel se met à faire du sable, super. Ah non, pardon, il se met à faire des salades, non, le sable c'est ici. Ok, donc on va accélérer déjà un petit peu. Donc là, on a un prisonnier, on est plutôt pas mal, on a de la nourriture, on a des tonnes de patates, donc on est bien, on a un peu de baie aussi. Et là, en termes de recherche, on est en train de rechercher des choses sur la sécurité, hein, à savoir qu'on avait la dernière fois l'établi de recherche. Donc là, tout le monde dort pour l'instant, il y a Axel qui transporte, ça c'est bien. Axel, on lui a demandé de faire quoi? Axel, t'es plutôt... Ah bah, mine, construit... Mais quand t'as rien à miner ni à construire, tu vas pouvoir transporter. Ah oui, il me semble que... Ah oui, c'est ça. Il faut que je construise... Alors, je vais me construire une zone ici. Hop, de stockage. J'en ai parlé avec justement... je disais qu'il fallait que je rapproche mon stockage. Je vais créer ici une zone pour le stockage. Je vais pas enlever le stockage tout de suite parce que si je le déplace juste de cette distance, ils vont commencer à tout transporter. Ça va prendre un temps fou pour rien. Donc on va faire, voilà, on va se satisfaire du stockage ici pour l'instant. Et on l'améliorera par la suite. J'ai pas mal de fer, donc j'ai pas besoin de miner de fer pour l'instant. J'ai encore du bois, j'ai des plaques de marbre, ça c'est bien. Donc pour l'instant on va... Alors, on a des visiteurs. Donc là je vais vous montrer les visiteurs, voilà. Quand ils sont en bleu ici les bonhommes, c'est qu'ils sont pacifistes. En tout cas c'est qu'ils, voilà, d'ailleurs on dirait des hippies. Ouais, des chapeaux de cow-boy, ok. Voilà, donc eux, ils sont gentils avec moi, et ils vont pas m'attaquer, donc pas de danger, hein. C'est pas des cannibales. Remarque à Bat. Ok, donc là, on a Wizard TV, ça y est, qui a commencé la recherche. Donc, il fait de la recherche, et donc on a ici la barre de recherche qui monte. Quand ça arrive ici jusqu'au bout, ben, on a le... Voilà, on aura la recherche qui sera finie, on pourra commencer à faire des tourelles. Alors, The Weeby, il fait des planches. On a Axel qui commence à creuser. En effet, c'est notre mineur. Et on a Gakoun qui fait quoi? Qui se relâche. Ah oui, alors. Là, voilà, c'est un truc. Vous voyez, ici, j'ai créé une table pour que le prisonnier puisse manger. Il faut pas que je le mette en gather spot. Sinon, les colons, ils vont venir se relaxer, etc. ici. Donc ça, c'est pas du tout un endroit pour se relaxer. C'est les prisonniers. Voilà. Donc... Il y a des questions. Oh là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, plein de choses d'un coup. On a une zone qui a été révélée. Alors, je me pose la question. C'est ici. Ok, la zone révélée. Donc ça, c'est des petites zones. Soit. On a des visiteurs, ça on l'avait déjà. Et on a un animal fou. Donc, alors, premier animal fou, c'est un écureuil. On va lui mettre en tant que chasse. Et ça doit être The Weeby, je pense qu'il va s'en charger. On va voir. Alors, on va ralentir un peu le temps parce que quand j'ai des combats comme ça, The Weeby, tu fais quoi? Tu manges tranquillement, ok. Il est où l'écureuil fou? Écureuil fou, où es-tu?
Ah, il y a des... Ah, les invités qui sont faits. Ah bah, l'écureuil fou, il est mort, ça y est. C'est les invités qui l'ont... Qui l'ont tué. Bon, bah, ça fait un problème de moins. Donc là, on a des zones qui se sont révélées. Ok, bah, soit, les zones sont révélées. C'est comme ça. Donc là, on a pas mal de visiteurs. Ils sont beaucoup... On va pas les embêter, on en a même une dame avec des cheveux verts. Ça fait peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? The Weeby, il va aller découper l'écureuil, ça c'est bien. La recherche, on est à peu près à la moitié, donc ça devrait plus tarder. Et Cambo, on lui a dit quoi Cambo? On essaie de le recruter, ouais, on essaie de le recruter, pourquoi on n'y arrive pas? Il est... Ah, il est... Pourtant il est bien, il est bien. Ah, il est emprisonné dans une petite cellule. Ah, on a 12% de chance, on va finir par y arriver, hein. J'aimerais bien qu'on le recrute pendant cet épisode quand même. Alors là, j'ai une zone ouverte, c'est un peu gênant. Alors, on va changer un peu les ordres du coup. On va faire comme ça, on va creuser ça aussi. On va faire une porte là. Bon, on fera juste une porte là, c'est pas très grave. En termes de structure, on va faire une porte en planche. Voilà, ici pour séparer. Très bien, on va réaccélérer à nouveau le temps parce que là, on va s'ennuyer sinon. En termes de bois, c'est toujours bien. En termes de planches, c'est pas mal. Voilà, tout se passe pas trop mal. Le seul truc qui va me manquer, c'est. Je vais avoir besoin de pouvoir crafter les vêtements. C'est la recherche là vraiment qui manque. Wizard TV, ça serait bien que si tu dormais un peu moins. On va accélérer hein, parce que. Allez, réveille-toi là. Ok. Ah ouais, non. Alors, il y a un truc qui va. Ça va pas être possible. On va le changer de. On va lui mettre la recherche en premier. Voilà. On va laisser les autres cuisiner. Parce que là, il faut vraiment qu'on recherche maintenant. On va pas pouvoir rester à ce stade de. Voilà. À ce stade de défense pendant trop longtemps. Là, on a du sable. On a 32 sables. Donc, on va pouvoir commencer à se fabriquer nos petites défenses. Donc comment je vais faire? On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça on pourra rentrer facilement par ici. Et on pourra se défendre si jamais. Là on va les chasser, ça fera du cuir. Lui aussi, tiens. Voilà. On va chasser un peu les trucs qui se trouvent à portée. Parce qu'on a quand même pas besoin de pas mal de cuir après. Encore loupé de recruter Cambo. Quel dommage. Je fais la vitesse lente là. Allez, on accélère. Donc là, construisez-moi les sacs de sable. Au moins, on pourra se défendre en cas d'attaque. Les attaques risquent de pas tarder. Hein. A priori, ça commence assez vite. Là, il y a de la nourriture. On va pouvoir regarder un peu sur la map si on voit des ressources qui auraient été. Toutes les ressources sont interdites hein, de base. Donc, quand vous voulez, vous voyez un truc sur la carte. Et vous voulez... Hop, ça y est. Premier raid. Première attaque, un groupe de pirates. Vous allez voir, normalement le premier groupe de pirates c'est un groupe tout seul. Hein. Voilà, on a Lynx. Expérimente. Oh là, c'est une expérience. Ah oui, il a été sujet de test qu'il a donné. Donc du coup, il est super. Voilà, il est super fort quoi. Il est super fort. Il est armé de quoi? Il est armé d'un multishot en canon. Je sais pas pourquoi multishot, c'est-à-dire que ça tire plusieurs fois. Je le sens pas très très bien ce combat. Je le sens pas très très bien. J'ai l'impression qu'on est déjà mal barré dès le début. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'il va devoir passer par ici. On pourra peut-être l'attaquer au corps à corps. Est-ce que j'ai une arme de corps? Qui est armé au corps à corps? Alors, attendez. Qui est le meilleur au corps à corps? Lui, il est à 2. Lui, il sait pas se battre. Lui, il est à 4 au corps à corps. Axel, corps à corps 2, et j'ai un colon qui est parti où? Il me manque un colon. Ah, il y a The Weeby, voilà. Donc, The Weeby, il est à 2. Ouais, donc, c'est en fait le mieux, c'est Gakun. Ouais. Et c'est à qui que je donne le couteau? Personne n'a de couteau? Ah si, je l'ai donné à lui. Alors toi, tu vas lâcher ton couteau parce que de toute façon, tu ne sais pas te servir d'un couteau, donc tu le lâches.
Et The... Non, Gakun, tu vas venir prendre le couteau. Tout de suite. Alors, ce que j'ai pas bien fait attention, c'est est-ce qu'il va attaquer tout de suite avec le raid ou pas? Le méchant. Il a l'air... Ouais, il attaque directement. Ok. Donc, Gakun, tu vas venir. Donc, toi, on te draft. Tu viens ici. The Weeby, on te draft. Tu vas venir... Ici, il va passer par où? On va voir par où il passe. Il va passer par en haut ou par en bas? Il passe par en haut. Ok, donc il va arriver par ici. Donc tu vas venir par ici plutôt. Voilà. Oh, c'est qui ça? Ils dorment? Ah, ils dorment, ok. J'ai cru qu'ils étaient morts. Et Wizardry, donc toi tu sers à rien. Et toi, on va te récupérer aussi. On va te faire venir ici. Voilà. Donc là, ça va être chaud, hein. Premier combat. En fait, dans le jeu de base, sans les mods, le premier combat est assez simple. Généralement, c'est un punk avec un couteau qui arrive et vous êtes armé, donc avec des armes à distance. Là, il a un multishot. J'ai un souvenir d'une partie où il y avait un gars avec un multishot comme ça qui était apparu. Ça avait fait mal. Allez, The Weeby, allez, The Weeby, allez, The Weeby, allez, The Weeby. A loupé. Ouh, c'est quoi sa portée, lui? Quoi sa portée? Information portée, range 18. 18. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. 18. J'ai peut-être le temps de mettre une autre. Non. Voilà. Tout le monde s'est caché. Viens ici. Donc toi tu vas te mettre. Tu vas te mettre où toi? Tu vas te mettre là. Et toi tu vas venir te mettre. Non. Ici. Là, voilà. Et tu lui tires dessus d'ici. Allez. Vas-y, aligne-le, aligne-le, aligne-le. Oui, tiens, tu l'as eu. Tu l'as eu où? Ouh, dans le bras. Ok. Allez, encore un. Oui, encore un. Ouh, dans le torse. Ok. Donc maintenant, tu viens te cacher là. Et toi, tu t'apprêtes à lui tirer dessus. Attention, attention. C'est parti. Oh non, 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 non. Toi, tu arrêtes de tirer sur mon bonhomme. Voilà, on l'a eu. Enfin, on l'a, je dis on l'a eu, c'est dommage, j'aurais bien voulu le capturer, mais bon. On l'a eu, donc c'est bon, on va pouvoir récupérer son arme. Donc, Gakun, bah, désolé, tu vas pouvoir changer. Avoir l'honneur de prendre le multishot. De déshabiller le méchant. Et puis voilà. Hop, on va les libérer. Bon, bah, premier combat. On n'est pas mort. Par contre, j'ai l'impression que Gakun t'a mangé un peu. Qu'est-ce qu'il... Tu t'es fait tirer dessus par... Ouais, c'est un tir... Voilà, là, l'autre, il t'a à peine scratché... Enfin, tapé un peu sur le torse. Par contre, là, tu t'es pris une balle, quoi. Bon. C'est pas grave, tu vas pas en mourir, a priori. Il est pas mort? Il est mort. Il fait quoi lui? Pourquoi il tire? Pourquoi il tire? Ah non 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 non. Tu vas pas chasser comme ça alors qu'il y a plein de gens autour. Voilà. Si tu veux chasser maintenant, non mais tu veux pas aller te reposer plutôt? Ah la vache, elle voulait essayer sa nouvelle arme. Ouh, regardez-moi ça. Regardez, heureusement qu'on s'est pas pris un tir de ça, parce que vous avez vu? Ouais, ça rigole pas, hein. C'est le son. Bang! Voilà. Donc là, quand on va se faire attaquer la prochaine fois, ça risque d'être un peu plus facile. Parce que là, on a une arme de ouf. Voilà. Bon, bah voilà. Donc Gakun. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de lit. Voilà, il n'y a pas de lit médical. C'est pour ça. Bah du coup, on va devoir refaire un lit de plus. Alors, on va devoir se refaire un lit. Alors, j'ai quoi? En termes de cuir, j'ai quoi? J'ai... Ah bah j'ai 18 de cuir comme ça, donc c'est pas mal. On va se faire encore un cuir. Bon, et ça on va faire pour le lit, pour les soins. On va le mettre là. Un peu séparé du reste. Voilà, Axel est en train de construire les sacs de sable. Très très bien. Donc là j'ai Gakun qui a besoin. J'ai besoin d'avoir un lit pour... je sais bien, mais bon. Gakun elle va le se faire soigner. Donc ça va être pas mal.
Ah oui, et j'ai besoin de faire un cimetière, enfin une tombe, pour le méchant qu'on a tué. On va lui faire une petite tombe ici. On va en faire trois des tombes. Voilà. The Weeby, t'es en train de faire quoi? T'es en train de manger, ok. Wizard, il recherche. Ah, on a bientôt la recherche qui va arriver. Ça va être bien. Et Wizard, il va soigner Gakun. Voilà, ça c'est bien ça. Vous voyez? Donc là, il va le soigner. Bah, lui soigner ça en premier. Normalement, on va avoir un petit bandage qui apparaît là. Et après, je sais pas si ça, il va le soigner. Est-ce que ça saigne ou pas? Weeby, ça y est, il s'amuse, hein, Weeby. Il chasse, quoi. Hop, Axel a fait quoi? Ah, il coupe les armes. Ah, il va construire la. D'ailleurs, est-ce qu'il s'est habillé? Ah, il s'est pas habillé. Tu peux mettre un pantalon. Tiens, va porter le pantalon. Ah, Cargopod. Ah, alors ça, c'est un autre événement qui arrive régulièrement. C'est bah, des bouts du vaisseau qui se crashent plus tard parce qu'ils ont tourné autour de la planète, peut-être, ou pour une raison X ou Y. Et ça nous donne des ressources comme ça qui arrivent de temps en temps. Donc là, on a quoi? Ouh, on a de l'or. C'est très très bien ça. Alors, ça devient autorisé. Là, 24 et là, 26. Super. Ah bah, de l'or en plus, c'est assez précieux. Et c'est assez rare. Donc, c'est impeccable. Je retrouve la colonie qui est là. Ok, impeccable. On va se remettre des petites torches parce que. On voit plus grand chose. Hop. Donc là, Axel, si tu pouvais aller transporter le mort là, l'enterrer, ce serait sympa. Ok. Alors, donc il monte un lit. Et Weeby là, au lieu de la chasser, tu pourrais pas. Non. Ah, y a Axel qui a déjà réservé. Ok, donc. Là, vous voyez, typiquement, à Weeby, je lui ai demandé de faire le lit. Ça me met que c'est déjà réservé par Axel parce que Axel est déjà en train d'aller construire le lit. Voilà. Et ça évite notamment de. Bah d'ailleurs, il a réservé parce qu'il va faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Bah, construis le lit maintenant. Ah, il manque encore des choses. Il manque du cuir. Ok. Ah, Gakun a été soigné, ça y est. Du coup, ça sera plus médical. Et Gakun est donc en pleine forme. Voilà, vous voyez. Il reste plus qu'un peu une cicatrice, mais. Elle avait déjà avant ça. Bon bah voilà. Alors, ça serait bien que la recherche finisse. Quand Wizard se réveille, on va accélérer parce que c'est à nouveau un peu lent. Ah oui, alors nouvelle icône. Ça, vous voyez, c'est quand Axel a dû prendre un vêtement usagé. On va voir, voilà. Vous voyez, elle a pris un pantalon qui est plus qu'à 14% de. Comment dire, d'état à 14%, donc il est très très abîmé. Dans ces cas-là, ça met un petit icône comme ça parce qu'ils apprécient pas. Vous voyez? Ça va lui faire un malus. Voilà. Elle a un vêtement qui est pas bien. D'un autre côté, j'ai rien d'autre à lui proposer. Donc c'est ça ou pas de pantalon, quoi. Donc, on va lui laisser le pantalon. Ce sera quand même un peu mieux. Donc là, on va essayer de recruter Cambo. Ce serait pas mal qu'on en ait à leur côté avant la fin de l'épisode. On va accélérer un petit coup. On n'a toujours pas réussi à leur côté. Quel dommage. Tout le monde dort. Il est 5h du mat. Et Wizardry va nous finir la recherche là. Allez, 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 on finit la recherche parce que j'en ai absolument besoin pour construire le reste. Alors, on va peut-être pouvoir lui dire de faire des. Voilà, steel bar, on va lui en faire plus parce que en vrai, on en a besoin de tonnes après. On va faire 60, ce sera mieux. Voilà, là pareil, non, les bouts de planche, ça c'est bien. On va lui rajouter de faire des kindlings, ça c'est du petit bois en fait. Voilà, et on va lui en faire hein, des tonnes parce que. Plus tard, on en a besoin pour faire de l'électricité. Ça, c'était pas mal. Et ça, du sable. Et les blocs de pierre, on va lui en faire plus parce que, a priori, voilà quoi. Ça leur évitera qu'ils s'ennuient, hein, nos petits colons. La recherche va bientôt arriver. Ah, on a un wizard qui est malheureux. Ah, ça y est. Sécurité. Donc là. On va choisir une nouvelle recherche. Je pense qu'on va s'attaquer au crafting pour commencer à faire des vêtements. Hop. Parti. Donc là, on va revenir à une vitesse rapide mais plus
plus normal. Et on pourra se faire une tourelle. Donc cette tourelle, elle est vraiment pas terrible. Elle est pas terrible. Mais c'est mieux que rien. Donc je vais la faire. Il faut bien mettre le bonhomme dans le bon sens. On va la mettre comme ça ici. Il y a plus de chances que les chances. Il y a plus de chances que les gens attaquent par en bas. Donc on va la mettre là et on va pouvoir les choper quand ils passent à cet endroit-là. Ça va être pas mal. Voilà. Donc là on aura une tourelle de base. Après on pourrait avoir des tourelles avancées qui sont beaucoup 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 mieux. Mais bon, c'est déjà ça. Donc là, apparemment, j'ai pas assez de cuir pour faire. Ah zut, j'ai pas assez de cuir. Pensais que j'avais plein de cuir. Ah, dire! Et là, j'ai fait elk. Ah, autant pour moi. Déconstruct. On recommence. Je me suis trompé de lit. J'ai cru que elk, c'était dire. Donc, dire hide. Hop. C'est le problème de jouer en anglais. Hein. Voilà. Donc, on recommence. On va faire notre lit médical. Donc, c'est moins urgent maintenant parce que Gakun a été soigné. Mais ça reste quand même. Voilà, ça reste quand même plus ou moins urgent. Ou en tout cas important. Mon mineur, c'est qui mine normalement? Lui, il doit miner, mais il construit aussi. Ouais. On va le faire miner plus vite qu'il construit. Bon, donc on a fait notre première recherche. On va bientôt. Quand on a fait la tourelle, on considérera qu'on a notre objectif d'avoir notre première sécurité. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire l'entrepôt ici aussi. Alors Wizard, il a l'air malheureux là. Pourquoi t'es malheureux, mon ami? Ah, parce que c'est moche. Il y a du sang partout ici. Ah, t'es pessimiste et tu partages ta chambre. C'est vrai qu'on va devoir commencer à s'attaquer à faire des chambres individuelles. Le problème, c'est que j'ai pas 300 mineurs. On va faire partir un couloir dans ce sens-là. Et on va peut-être commencer à leur faire des petites chambres. On va faire des petites chambres au début parce que, honnêtement, j'ai pas les moyens de leur en faire des grandes. Voilà, on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Ok, comme ça, ils auront des chambres individuelles déjà, ils seront moins malheureux. Je leur ferai bien une petite table d'échecs aussi. Tiens. Alors, fourniture, non. Joy, voilà. On va la faire en quoi? On va la faire en marbre. Ouais, une table d'échecs en marbre parce qu'on est des ouf. Et on va leur donner un petit tabouret. Hop, massif. Allez, même pas en planche. Donc là, Wizard, il recherche toujours, hein, c'est important. Les autres dorment. Bon, écoutez, pour l'instant, ça se passe pas mal. Personne n'est mort encore. Ça va sûrement venir. Hein. Ah, voilà. Allez, Gakun, tu vas le recruter, oui. Combo, là. Il est en forme, là, ton combo, là. Allez, là, gars. Mood, 55, 56. Allez, 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 allez. Ah, loupé. Terrible, ça. Ah, il est dans le noir. Bah, on va lui mettre une lumière. Ah, déjà, il aura plus le malus parce qu'il est dans le noir. Et si on lui mettait un petit pot de fleurs? Allez, je lui mets un pot de fleurs. Donc ça va lui mettre de bonne humeur. Alors, attendez, dans le pot de fleurs, je vais annuler. Le pot de fleurs, on va lui faire quand même en planche, ce coûtera moins cher. Voilà. On peut peut-être même se mettre des petits pots de fleurs, regardez. On se met des petits pots de fleurs là. Voilà, comme ça quand ils dorment, ils ont un petit pot de fleurs à leurs pieds. Ça va peut-être les mettre de meilleure humeur. Bon Axel, tu fais du bon boulot là. Je suis content que tu nous aies rejoint. À nominer toute cette grande surface. D'ailleurs, que je vais faire pour que ce soit joli. Voilà. Très bien. Il y a une zone que j'ai pas fait aussi. J'ai pas fait un truc de. Voilà. Une décharge. On va mettre une décharge là. Comme ça, ils pourront déplacer les choses qui viennent. On est bientôt les nouveaux cultures de plantes. Ah! On va essayer de recruter Cambo. Oh, il y a Axel qui est. Ça va pas non plus. Ah ouais, t'aimes pas. Vous aimez pas l'environnement. Hein. Plus c'est dans le noir, mais là t'es normal, tu creuses toi. Ouais. Il va vraiment falloir qu'on leur donne une chambre individuelle assez vite. Tiens, tu peux pas aller creuser ça? Et là il y a du sang. C'est vrai qu'il y a du sang partout. En fait, ça me gêne parce que normalement il y a un travail de nettoyage.
Mais j'ai pas grand chose à. Allez, The Weeby, tu vas nous nettoyer un peu? Allez, The Weeby va nettoyer un petit peu là parce que. Voilà. Histoire que l'environnement soit un peu moins sale. Il y a une étoile sang. Voilà. Le vomi aussi, parce que le vomi c'est dégoûtant. Et il va dormir. Axel, elle se décontracte. Bon. Axel, tu peux pas aller nous construire ça là? Ah, il manque des matériaux. Ah, il me faut 250 steel bar. Ah, bah c'est ça le problème. Ah oui, parce que là, j'ai ma limite. Je l'ai mis à combien, moi? Je l'ai mis à 60, forcément. Et bah, plus de 150. On va lui mettre. Voilà, 260. Ah oui, non, c'est ça. Ouais, donc à chaque fois que vous avez des choses comme ça, il faut que vous vous adaptiez. Parce que là, j'avais mis 60, donc j'aurais jamais eu les 250 barres de fer. Jamais eu. D'ailleurs, je sais même pas si je les aurai à la fin de l'épisode. Parce que ça va prendre un certain temps. Et on va commencer à avoir un épisode qui dure un peu. Peut-être que la recherche. Voilà, la recherche, c'est important aussi. Hein. Crafting, ça c'est important pour faire des cultures après. On pourrait recruter Cambo là, ça serait sympathique parce qu'il est fort en quoi, ce monsieur là. Il est fort en. À mêlée, ça c'est bien. Un médecin artistique, c'est pas. Ouais. Il est pas fort en grand chose en fait. Hein. Mais bon, il pourra crafter quand même. Alors, Zubi, tu fais quoi? Ah, Zubi, il nettoie. Hein. Bah, ça y est, je dis nettoyer, donc il nettoie tout ce qu'il trouve. Hein. Hop, voilà, il y a du sang encore. Et là, il va sûrement nettoyer toute la poussière qui traîne. Tac. Pour l'instant, on n'a pas une base très grande, donc ça va. Ça va aller assez vite à nettoyer. Mais après, quand la base est un peu plus importante, ça devient un peu plus long. Une fois qu'il aura fini de nettoyer, on va lui dire de. Ah, ça y est. Donc là, on a les crafting, c'est très bien. Je pense que. Alors. Voilà, tourette spécialisée, c'est ça que je veux. C'est ça qu'on va rechercher. Finalement, on va annuler cette tourelle là parce que de toute façon, j'ai pas assez de fer. Et je voudrais pas la construire parce que je veux la tourelle spécialisée. Par contre, je veux quelqu'un qui me crafte là. Donc là, on va arrêter le cleaning et on va faire le crafting à la place. The Weeby, maintenant, tu vas aller arrêter de nettoyer, là c'est bon. Et tu vas aller me crafter des barres de métal ici. Et voilà, oh là là, qu'est-ce que t'es fort. Qu'est-ce qu'on se comprend bien? Ça, c'est toujours pas. Non, la torche est toujours dans le noir là. Elle est partie où, Gakun? Ah, elle récolte les pommes de terre. Ok. Bon, écoutez, on a réussi à creuser. Tiens, on est tombé sur quoi? Ah, de l'aluminium. Du fer en aluminium. C'est très bien ça. Ouah, deuxième raid! Ouh. C'est des pirates, c'est. Ah. Eux, ils vont préparer une défense et ensuite. Ah non. Eux, ils vont se préparer avant d'attaquer. Ah, il y a toujours qu'un seul bonhomme. Alors. Donc lui, il a. C'est ça, c'est quoi? Alors là, le problème, c'est que j'ai mis un mode, du coup, ils ont des tonnes de machins. Alors. Ah, c'est un lance-grenade. Ouf. Avec une portée de 21. Lance-grenade, portée de 21. Un peu gênant. L'avantage du lance-grenade, c'est que, pareil, à bout portant, a priori, il va avoir du mal. Alors, Gakun, je suis désolé parce qu'en fait, t'es le meilleur de. T'es toujours le meilleur en mêlée, il me semble. Hein. Mêlée 4. Axel en mêlée, il est quoi? Non, il a que 2. On remarque qu'il a 2, mais il est. C'est Cambo le meilleur, là. Si vous pouvez recoter Cambo, là, ce serait pas mal. Allez, Gakun, va recoter Cambo. Non, tu peux pas. On va ralentir le temps. Axel, tu vas aller chercher le couteau. Ouais, tu vas chercher le couteau, on va se préparer comme ça. On va te mettre là. On va se faire qu'on puisse tirer de là. Et toi, tu vas être là. Et dès qu'il va passer là, il va se faire tirer dessus. Gakun, je sais pas où tu vas là, mais. Non, non, non. Non, mais il y a des repas à la maison là. Donc tu arrêtes d'aller manger les repas là-bas. Non, mais. Donc, là, vous êtes interdit à nouveau.
Allez pas vous faire tuer pour rien. Ah ils sont deux. Oh là ils sont deux, attendez. Il y a un lance-grenade et l'autre je l'avais pas vu. Ah lui il a juste un couteau. Ok. Il a juste un couteau. Donc on va voir lequel des deux se déplace le plus vite. Donc là on va devoir avoir plus de gens qui se mêlent au combat. Hein. Ah j'aurais bien aimé que tu puisses recruter. Et ça serait bien si on pouvait en rendre un prisonnier aussi, ce serait sympa. Alors, pour en rendre un prisonnier, il suffit que je fasse un truc. Je vais. On va construire voilà, un sac de couchage pour prisonnier ici. Voilà. On sait jamais, comme ça dans la panique, je saurai que je peux prendre un prisonnier. Donc, sur là, pour l'instant, il se prépare. Ils vont arriver par là. Bon, on va finir sur ce combat. Ou alors je vous fais comme dans Money Drop. Vous verrez la fin après la page de publicité. Et hop, j'arrête quoi. Juste avant le combat. Oh, le cliffhanger. Je vous arrête juste avant le combat. Ah, attendez, je demande à mes deux filles qui sont à côté de moi. Levez la main si vous. J'arrête juste avant le combat. Levez la main si j'arrête juste après le combat. Ah, vous savez pas ce qu'elles ont voté, hein. Celles qui ont décidé, là, c'est. Donc si ça vous a pas plu, je vais vous donner leur numéro de téléphone pour que vous puissiez vous plaindre. Allez! Bon, bah, ils prennent leur temps. Bon, on va accélérer parce que j'aurai un petit message quand ils attaquent, normalement. Ça sert à rien que je me prépare trop non plus. Oh, ils attaquent. Ok, donc là. Donc on y va. Donc Gakun, je suis désolé que tu sois en train de dormir. Tu vas venir. Donc toi, tu vas venir te placer ici. On va avoir The Weeby qui va venir se placer ici. On va avoir Axel qui va venir se placer ici. C'est parti. Donc là, ça va être tendu. Ils arrivent, donc là c'est celui qui est en premier, c'est le lance-grenade. C'est celui que je voudrais bien faire en mêlée. Lance-grenade, il faut que je fasse vachement gaffe de pas le laisser tirer quoi. Il a un range de 21. The Weeby, t'as un range de combien toi avec ça? Attendez, je regarde juste le range du 37. Ok, donc tu vas tirer en premier. Tu vas tirer en premier normalement. Il arrive. Il arrive, attention. Il arrive, The Weeby. Allez, 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 allez. Shoot, 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 shoot. Ouf, loupé. Loupé, du coup, tu vas aller te mettre là. Gakun tire. Attends, Gakun tire, non. Gakun tire pas. Gakun, c'est. Je veux que tu tires sur lui. Allez, hop. Voilà. Je veux que tu tires sur lui. Toi, tu viens. Alors, toi, tu. Donc, toi, t'attaques celui-là. Et toi, tu vas aller te mettre là. Oula, oula, pas bon ça, pas bon. Pas bon du tout. Donc toi tu vas aller te mettre ici. Ok. Oula là, c'est tendu là, c'est tendu. The Weeby, tu viens là et tu vas tirer sur. Ok, on l'a eu. Donc toi tu t'en vas, Zwibi, tu essaies de l'aligner lui. Ou toi tu te. Voilà, et Gakun, est-ce que tu peux lui tirer dessus? Mais toi il va falloir que tu t'en ailles parce que tu vas te faire tirer dessus, Axel. Va-t'en. Allez, tiens. Ok, on achève. C'est bon, ils sont morts. Oh! Ouh!
Bon, excusez-moi, je parle pas beaucoup pendant le combat parce que c'est tendu. C'est tendu. Donc là, qui s'est fait toucher? Gakun s'est fait toucher. Elle s'est fait couper un peu le torse, mais vraiment pas grand-chose. Axel, rien du tout. Il s'est fait à peine mocher le bras. Et Whibi, rien du tout. Eh ben écoutez, pas mal. Par contre, on les a à nouveau tués, quoi. Il va falloir que je me fasse. Je pense que je vais me faire une arme. On va se faire des massues. Parce que là, il est mort ou il est pas mort? Ouais, non, il est mort, dead et dead. Les deux sont morts. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus, c'est pas très grave. On a quand même Cambo qu'on a réussi à capturer. Et je pense après, on verra quand on arrive à se faire un atelier d'armes pour se faire des massues pour peut-être avoir plus de chances de les assommer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, fin de l'épisode 3 et on se retrouve dans l'épisode prochain. Allez, ciao ciao!